Bonjour à tous, bienvenue! Ça y est les amis, TempoCraft saison 2 ouvre ses portes. Je fais cette petite vidéo premièrement pour expliquer ce que c'est TempoCraft au petit nouveau, bah oui. Et deuxièmement, je vous parlerai en détail de cette nouvelle saison que je vous propose enfin. Posez-vous, prenez un café, aujourd'hui on parle de TempoCraft. Alors qu'est-ce que c'est ça encore? Un énième serveur Minecraft qui va mourir au bout d'un mois? Et non hein? Laissez-moi vous présenter TempoCraft un peu là. C'est un concept que j'ai créé de A à Z en m'inspirant du concept de Temporis qu'Ankama fait avec ses jeux Dofus et Dofus Retro. Le but est simple, un serveur Minecraft temporaire sur lequel on commence tous de zéro et qui dure seulement 3 semaines. On a déjà tous fait un petit serveur Minecraft survie entre potes, et c'est vrai que c'est super cool, mais au bout d'un moment, il perd de son intensité. On se connecte de moins en moins, le plaisir s'essouffle, et on finit par plus se connecter du tout au serveur. Perso, j'en ai eu marre de ça. Y a jamais vraiment de fin à nos petits serveurs d'amour entre potes, là. Alors voilà, TempoCraft, c'est aussi là pour vous faire vibrer pendant une durée limitée de façon à ce qu'il y ait une vraie fin en grande pompe. TempoCraft, ça fonctionne par saison et chaque saison a son thème, ses concours et ses nouvelles features. Et bien sûr, TempoCraft est équipé directement en jeu d'un chat vocal de proximité, ce qui permet à n'importe quel joueur qui en croiserait un autre de papoter, de tout et de rien, parler du beau temps, du modo qui abuse de ses pouvoirs, ou de la dernière vidéo de Drop Dadou qui est vraiment super cool top. Maintenant, vous savez tout sur le concept même de TempoCraft. On passe à la deuxième partie de cette vidéo qui va parler plus en détail, plus profondément de cette saison 2. Dans la saison 1, la taille de la map était limitée à 4000 blocs par 4000 blocs. C'était bien, franchement, faut pas plus, sinon après, il y a des joueurs qu'on verra jamais. Nouveau concept pour cette saison 2, la taille de la map, elle sera pas seulement limitée, elle sera progressive. C'est-à-dire qu'au jour 1 du serveur, la map fera seulement 2000 par 2000, et au fur et à mesure, avec des événements, la map va s'agrandir jusqu'à 3000 blocs, puis 4000 blocs. Dans la saison 1, on pouvait revendiquer une zone de 64 par 64 pour en faire notre parcelle privée, ça protégeait la zone, les coffres, etc. Sauf que tous les items modés, ils n'étaient pas pris en charge, ils étaient pas protégés. Donc si vous aviez un coffre en diamant avec plein de diamants dedans, on pouvait venir et vous voler vos diamants. Même si c'est interdit, on sait jamais. Dans la saison 2, problème réglé, il vous suffira de crafter ce bloc, qui est un bloc de revendication avec juste de la redstone et un panneau. Et si vous le posez, le chunk entier vous appartient. Qu'est-ce qu'un chunk? Une zone de 16 par 16. Et donc chaque joueur pourra revendiquer jusqu'à 4 chunks pour donner la taille finale de 64 par 64. Au final comme avant, mais cette fois tout est bien protégé. Petit avantage avec cette nouvelle feature, le bloc de revendication, vous pouvez très bien revendiquer 2 chunks dans le monde normal, 1 chunk dans le nether, 1 chunk dans l'end, vous faites ce que vous voulez avec vos parcelles. Et ça, c'est franchement cool. Dans la saison 1, les joueurs qui faisaient des dons à TempoCraft pour continuer à faire vivre le serveur, ils recevaient des loot box avec des cosmétiques dedans. Ces cosmétiques, ils étaient bien, mais il y en a pas mal qui présentaient des défauts, qui étaient pas au point. Du coup, on change tout. Dans la saison 2, si vous décidez de soutenir financièrement TempoCraft, vous recevrez un titre en jeu, un rôle Discord, et aussi des sacs de chapeaux. Mais oui, on a un mode exprès maintenant avec des centaines de chapeaux, et donc on a des petits sacs, ça fait office de lootbox, et vous pouvez avoir des chapeaux aléatoires pour mettre directement sur votre personnage. Et le truc cool, si vous aimez pas un ou deux chapeaux, vous pouvez les découdre pour avoir des morceaux de sacs et recrafter des sacs pour avoir d'autres chapeaux. Ouais, c'est pas mal, ouais. Et les joueurs qui peuvent pas faire de dons, ils pourront quand même drop des sacs de chapeaux sur des monstres, et ça c'est cool, comme ça il y en a pour tout le monde. Comme pour la saison 1, on aura une chronologie des événements qui va rythmer TempoCraft. Par exemple, le Nether, il sera disponible qu'au bout de 2 jours. L'ouverture de l'end, ce sera un event à part entière. L'apparition des PNJ vendeurs au spawn se fera aussi progressivement. Et attention, nouveauté dans cette saison, on aura des maîtres de jeu qui seront là uniquement pour faire des events. Ils seront pas là en tant que joueurs, ils seront là en tant que maîtres de jeu. Et donc ils seront là exclusivement pour proposer des events. Ça va être des événements officiels. Et donc les events officiels, ils seront visibles sur le visuel de la chronologie de la saison que vous retrouvez sur Discord. Dans cette saison, on a toujours 4 concours. S'il y a des joueurs qui veulent pas juste faire un petit mode survie comme ça et qui veulent se donner, la buter un peu, il y a 4 concours pour vous faire plaisir. Et on commence avec l'indétrônable, le concours du top succès. Chaque joueur qui accomplit un succès sur Minecraft gagne des points. C'est simple, à la fin de la saison, celui qui a le plus de points, bah il a gagné. Bravo. On a aussi le retour du concours architecte. C'est un concours de construction en gros. Mais cette fois-ci, il y aura un thème imposé. Et ce fameux thème, il sera révélé la veille de l'ouverture. Voilà, donc j'en dis pas plus. Désolé. Le concours du camarade, tout le monde y participe par défaut, c'est simple. À la fin de la saison, chaque joueur pourra voter pour un autre joueur qu'il aura trouvé le plus friendly, le plus sympa. Et donc le joueur qui aura le plus de votes, ce sera le camarade, le gagnant du concours, le joueur le plus sympa de la saison 2 de TempoCraft. C'est pas mal ça. Bravo, merci d'être sympa. Et pour finir, on a le concours du joueur. Nouveau concours pour cette saison. Étant donné qu'il y aura des events officiels TempoCraft tout au long de la saison, c'est facile. Plus vous participez à des events, plus vous gagnez des events, et plus vous gagnerez de points de jeu. Et le gagnant du concours joueur sera évidemment le joueur ayant le plus de points de jeu. Va falloir participer aux events, les gars. Ça va aller? Petit concours de pêche, là?
Je vais quand même pas tout vous spoiler, mais j'aimerais quand même vous annoncer l'arrivée de la brèche. Une toute nouvelle dimension qui représente la saison 2 en elle-même. Pour le contexte, dans la saison 1, il y a une brèche qui s'est ouverte et elle a englouti le monde. Et c'est ça qui a mis fin à la saison 1. Dans la saison 2, vous pourrez désormais aller directement vous aventurer dans la brèche. Nouveaux biomes, nouveaux monstres, nouveaux minerais, nouveaux équipements. Il y a de quoi faire, alors j'espère que vous allez kiffer l'expérience. Pour s'inscrire, il suffit d'avoir acheté Minecraft Java Edition et être sur le Discord officiel TempoCraft. C'est par ici d'ailleurs que vous trouverez le petit formulaire tout mignon pour vous inscrire à la saison. Les inscriptions sont déjà ouvertes et vous avez jusqu'au 3 novembre pour vous inscrire. Alors foncez si ça vous chauffe l'aventure communautaire TempoCraft. Évidemment, il y a tout dans la description. La saison 2 se déroulera du 8 novembre au 29 novembre. J'espère évidemment vous croiser en jeu. Et si jamais vous venez pas, il y aura évidemment des streams presque tous les jours, des best-of avec les meilleurs moments de tout ce qui se passe. Eh oui, vous me prenez pour qui, sérieux là? Plein de bisous, gros merci pour votre soutien. Invitez vos potes, invitez votre famille, invitez vos animaux de compagnie. Venez tous sur TempoCraft, ça va être incroyable. La saison 0, elle était cool. La saison 1, elle était folle. Et la saison 2 sera incroyable. Ciao.